Étudions comment gérer les changements de page dans un document long. Dans notre modèle, nous avons ici un titre qui est la fécondation qui devrait être au début de la page suivante. Il est effectivement judicieux de commencer des fois des nouveaux paragraphes en haut de chaque page. Pour ce faire, la méthode que beaucoup emploient est simplement de passer des lignes jusqu'à ce que la fécondation arrive en haut de la page suivante. Mais ceci pose un problème, car la moindre mise en forme faite au-dessus fait que votre titre bougera à chaque fois. Ce n'est donc pas la méthode à mettre en œuvre afin de gérer les changements de page. La méthode est très simple. Il suffit de cliquer sur la ligne précédente le paragraphe que vous voulez mettre à la page suivante, et il suffit à cet endroit d'insérer un saut. Ça s'appelle tout simplement un saut de page. Et donc, en ayant positionné le curseur à la bonne position, vous insérez un saut de page, vous faites OK, et vous verrez que le titre que vous souhaitez arrive forcément à la page suivante. Quoi qu'il se passe dans cet endroit du texte, le titre ne bougera pas et restera toujours en haut de page. Je vous conseille fortement de gérer ces sauts de page dans tout document long. C'est à vous!